人都在了哈，对，我们一家三口都出来了。Le 21 septembre 1999, à 1h47, un violent séisme qui a duré 102 secondes a frappé Taïwan. Les habitations se sont écroulées, l'électricité a été coupée. Partout, des scènes de cris, de pleurs. Certains ont même dû s'extirper de leur immeuble effondré par eux-mêmes. Des immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Les étages supérieurs se sont transformés en rez-de-chaussée. Vous voyez vos proches ensevelis et cesser de respirer devant vous, mais il vous est impossible de les sauver. La douleur est intenable. C'est la première fois que la mort est si proche, et cela dans une situation aussi réelle. En effet, la mort était partout. Les géologues, qui ont étudié les terrains dans les zones touchées par ce séisme, ont pu observer les failles dans le sol. Le séisme de Jiji a provoqué l'écroulement de Daoling, ce qui a créé un barrage naturel. Là, c'est avant le séisme. La partie en blanc, c'est la partie où le pan de montagne s'est décroché. Le séisme est certes une catastrophe naturelle, mais les malfaçons volontaires ont causé la mort d'encore plus de gens. Des matériaux de construction remplacés par des bidons d'huile ou des renforts mal attachés ont ainsi malheureusement précipité l'effondrement de certains bâtiments. Le séisme de Titi a provoqué l'écroulement entier ou partiel de plus de 100 000 habitations dans tout Taïwan. Dans un paysage de désolation, de maisons écroulées, de familles décimées, l'aide de la société a jailli pour la reconstruction. Le photographe qui a suivi les travaux de reconstruction a même témoigné de la lueur d'espérance dans les yeux des enfants. Je lui ai demandé pourquoi elle semblait ne pas avoir peur. Elle a souri, dit que comme tout était déjà écroulé chez eux, si le séisme revenait, ce serait à notre tour. Les deux fillettes sur la photo sont aujourd'hui des mamans. Le séisme de Titi les a rendues plus reconnaissantes envers ce qu'elles ont aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvées et nous chérissons encore plus. Cette peinture, je l'ai accrochée chez moi pour qu'en la voyant tous les jours, je me rappelle qu'il faut que je contribue à mon tour à la société. 20 ans après le séisme meurtrier, les victimes ont refait leur vie. Les maisons se sont reconstruites et la terre se reprend. Les promoteurs immobiliers profiteurs du passé ont été condamnés. Les réglementations relatives aux constructions et aux secours ont été renforcées. Le séisme Titi a déchiré l'île de Taïwan ainsi que de nombreuses familles. Il a causé une perte économique estimée à plus de 10 milliards d'euros. En même temps, il a sollicité la plus grande œuvre caritative de Taïwan. Les dons affluents du secteur privé ont dépassé les 992 millions d'euros. Ces images précieuses d'il y a 20 ans rappellent à tout un chacun la leçon à retenir pour soi-même, pour les générations futures et pour cette île.